Gerbi Blaise, bon gade si moi vous sur Blaise, oui, mais elle sur écran avec nous. Avec Lynn Bralfon, ti brasse l'idée. Question posée, hein? Vous marquez nos 10 souffleurs, non? Qui ça la loi dit? Sou yon moun ki condamné dans un pays étranger? En pile parler sur dossier ça, à soya invité non, c'est professeur Dr. Gerbi Blaise. Pour qui ça ne bral fait ti balayakli? C'est parce que, étant que moun, yon bagay faut nous apprendre, faut nous connaître. Malheureusement, je dis à nous prenons spirale. Côté la jeunesse presque pas voulu apprendre. Ou pas qu'on y a la jeunesse qui dans des blousailles tombé. Regardez ce qui a passé là dans Hèche. Et m'a tout dit moun la police dans Hèche. Qu'on y a moi la police décidé pour l'arrêter, ti mesdames yo faut te prendre la rue. Bon c'est victime yo déjà. Son pas que ti moun qui pas éclairé. Et puis gèlè parce que moi quelqu'un qui gen tatou bagarre ou quelqu'un qui bagarre, gèlè quelqu'un diaspora tout profiter. Son des ti moun qui fait portant sur technologie. Et puis technologie a trahi yo, on y a m'tendé dans l'arrêter. Vous faites qui ça? Qui infraction au commettre. Et d'ailleurs, il y a un grave qui arrive parce que nous avons des policiers qui ont arrêté, qui ont dans le téléphone, qui a partagé encore des bagages privés sur le téléphone. Vous ne pouvez pas faire ça. Ou pas qu'à violer les droits de plusieurs fois. C'est victime qui est déjà. Vous comprenez ça, nous? Donc, si vous êtes en temps normal, si vous n'avez pas arrêté, pas vous n'avez pas arrêté. Parce que si vous n'avez pas arrêté, mais, quand vous avez regardé là, vous n'avez pas petit petit, vous n'avez pas mélangé. Vous quittez ça, mais son pays est difficile. Donc, la jeunesse, je dis, vous ne pouvez pas l'apprendre, vous ne pouvez pas l'apprendre, vous ne pouvez pas prendre pour tant de monde. Vous avez plus souffert, hein, jouer des bêtises par l'empire, mais vous ne pouvez pas apprendre. Et bien après midi, il est nécessaire pour nous défendre parler. Ça fait longtemps que nous avons professeur Blaise. Et nous, en 2024, nous avons déjà souhaité une heureuse année, santé, bon succès. Professeur Gerbi Blaise, bonsoir et bienvenue. Comment allez-vous? Bonsoir, Tété. Et merci pour VEA, pour VEO, santé à surtout, comme vous êtes là. Et moi, je salue toutes les fanatiques pour vous. Mais d'abord, permettez-moi une salutation spéciale et vous voyez de santé, longévité surtout, à tout le monde par les bouquets. Tout internet ou tout fanatique pour vous. À tout le monde par des bouquets, mais pas particulièrement maman, Baron Koukika, qui est fanatique. Oh, et donc, c'est le TT, à Marielle Lodmoché. On s'est le TT, allez. Donc, moi, salut maman, Marielle Lodmoché, qui continue que les gamins, c'est qu'on prenne à 15, moi, salut tout. Quand on 15 ans, parce que j'ai l'impression aussi, c'est aujourd'hui, je ne vais pas oublier, ça. Donc, moi, salut tout, monsieur Yo, Barbie, Tete, William, c'est équipe. Maintenant, merci pour l'invitation, TT, mais seul petit problème, moi, c'est parce que, ouais, non, c'est un petit temps tout court, parce que, moi, c'est un jeu. Et dans un néant pour ne pas parler du tout sur aucun sujet d'actualité. Mais laissez l'invité, j'ai dit que c'est pour ne pas parler, parce que c'est difficile. Très difficile, parce qu'au final, on s'est mis hier, on va m'inviter. Et puis, c'est le cas. Et comme un cas de net, il y a des gens qui disent donc m'obliger et on ne peut pas répondre de façon négative à cette idée. Maintenant, moi, je vais vous inviter encore, et le sujet nous va permettre juste 3 minutes comme introduction. Et c'est pas sauf, même pas 2 minutes, moi, je vais pas intervenir sur ma vérité, toute réflexion politique, je vais éviter toute subjectivité qui est basée sur l'expérience doctrinale, parce que l'expérience doctrinale, les passions réductoires en droit, parce que l'été invité, moi, tout le temps que mon invité, je vais vous demander de me souper en cachette tout le monde là, parce que il y a des notions moins développées. Et moi-même, Merci. Maintenant, après, c'est son analyse des textes normatifs, constitution, convention, loi, règlement, qui régit société. Nous avons un choix d'été qui est très difficile. J'en fais choix d'eau, n'est pas facile pour me parler, pour ne pas rester bouche bée sur ces deux faits d'actualité, pour ne pas faire d'un pays en haïtien. Mais nous avons bataille contre l'enseignement, parce que le président de l'État dit ça. Nous comptons tout le monde. Nous critiquons tout le secteur net, tout le monde, opposition, pouvoir. Avec toujours Jovenel Moïse, monté dans le combat en 2019. Nous critiquons tout le monde parce que si je ne passe pas le jour de décision en fait là, moi, je vais payer 4 ou 4 demain. Parce que nous faisons un pour me faire vivre Haïti, malgré toutes les opportunités que nous gagnons au niveau mondial, pour vivre. Nous avons une discipline pour vivre dans tout le pays dans le monde là. Et toute institution a toujours besoin de conseil, c'est-à-dire les conseils juridiques. Donc, on ne va pas aucun monde intimidé, ni menacé, ni besoin de dossier de façon. Par contre, il faut le tenir demain, mais je dis à mon sien parce que maintenant, on est à l'opposition de l'Union. Que tu m'as d'ailleurs accroché, tu dis, tu viens de gens, etc. Pourquoi tu m'as dit de gens? On a été rêvé, nous rêvé, nous pas de gens. Donc, et menace pas empêcher pour me défendre d'eux, même le marché côté toute autre point de vue. Ouais. C'était en invitation là, c'est concernant qui est fait condamnation pénale gagnée, condamnation pénale à l'étranger. Avant d'entrer là, professeur Gerbi Blaise, parce que monsieur, que en dépit de tout ça, j'ai dit, il y a un pile jeune qui est dans la faculté de droit, qui a suivi vous, il y a un pile l'autre professeur, un avocat, un pile juriste, un pile monde homme de loi qui a fait débat sur ça, qui a suivi vous. Nous avons même, comme si, on t'écoute introduction, l'on a parlé de droit pénal. De qui ça n'a parlé exactement? L'on parle de droit pénal. Droit pénal, c'est lui-même qui l'a pour régir l'organisation sociétaire. Que l'organisation sociétaire, parmi les sociétaires, les gagnants, ils posaient des interdits, ils posaient des conditions pour que les malades ou pas, les malades ne peuvent pas faire. Donc, tout comportement antisocial, qui est-ce qui l'a pour lui, le droit pénal, c'est le droit pénal. Parce que le droit pénal, il y a des bagailles. Il dit, moi, poser interdit, hein, qui s'en met les incriminations. Hein. Qui c'est dans le principe droit pénal général là. Et il dit que tout en élé, il y a un bagage qui est sanction, ça n'est pas. Maintenant, l'autre droit pénal, ou pas à gagner, il y a un pays qui dit tel comportement sont interdits, par exemple, voler, c'est interdit, viol, c'est interdit, parce que c'est des bagages qui sont mis sur société, qui peut être positif à monde. Prend l'argent blanchi, blanchi, alter comme
sous fait comme dans l'État à investir dans ces deux comme déjà dit, à investir de façon ici par ces deux entreprises qu'on gagne, ou fait ou crier, c'est interdit. Mais lorsqu'il est interdit, l'État, la loi, dit, lui poser un comportement ou un mouvement antisocial, mais lorsqu'il fait le il dit, mais qui peine pour ce qui est. Donc c'est ça qui doit finalement, organiser, et lui régit l'organisation sociétaire. Clair, yeah, nous d'accord avec ça. Pas de problème, monsieur Blaise. Maintenant, nous voulons rentrer droit au but parce que il y a un sujet qui est actualité. Hein. Sujet A, nous pas prêter son cadre comme si individuel. Nous prenons un cadre général qui concerne tout le monde parce que ça arrive souvent. Mais puisque nous connaissons certaines fois, en Haïti en particulier, nous voyons politique là souvent primée sous toutes affaires de droit, sous bagage juridique. Mais en nous-mêmes, réalité technique pour nous garder qui ça va aller. On imagine que, professeur Blaise, j'en pose des questions. Hein. On action qui posait en Haïti, il reproche mon bagage. Et yo arrêté moun nan en Haïti et yo voyé les États-Unis à le juger. Malheureusement, je dis malheureusement, c'est le juge en Haïti la Kali. Mais yon tribunal américain décidé pour condamner moun nan pour ça reproche que moun nan fait aveu, c'est-à-dire les coupables. Dis-moi, est-ce que condamnation ça li gen effet sous ni côté au juge là, ni dans pays moun nan côté où t'es arrêté là qui c'est Haïti? C'est un bel sujet, et qui t'a montré que pour un dialogue scientifique là-dedans, mais malheureusement, que nous voyons pas inaperçu, c'est même genre avec la question des sanctions des Nations Unies, nous que. Il va y avoir une impression sociétaire, pas une débat solide, pas une débat scientifique solide, mais on s'en veut que dans l'université qui fait aussi, j'ai donné des études de commettre et de travailler sur la question du débat. Et c'est pas important parce que c'est l'engagement sociétaire et l'engagement citoyen. On condamne à son pays à l'écran du PP, qui n'est pas limité au seul territoire, c'est sur quel côté mon nom condamné. Ça me l'est l'internationalisation des décisions pénales. Ou bien ça me l'est l'utilisation des décisions pénales. Et l'utilisation des décisions pénales, nous n'avons pas fait monde qui est sous le lit, bien de crime. Et n'a pas rappelé, par exemple, qu'on dernier, pardon, dernier test qui va remettre la décision en janvier 2021, par une camarade moi qui fait un gros travail sur ça, sur l'articulation des décisions pénales, c'est Vitarion Gianni qui fait un travail sur l'ensemble de droit pénal et de criminologie, l'université de l'Université de l'Université de la même année. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on a la salle au monde dans un pays étranger, ça vient et fait son souvenir d'identité dans l'autre pays. Pour qui ça? Pour qui ça, l'homme international établi et fait ça? C'est-à-dire extension des décisions pénales au niveau international qui sont prononcées par à l'étranger. D'abord, c'est pour protéger les citoyens. Et c'est important. Là, ils ont fait extension de décision qui sortit, par exemple, il y a un monde dans ce pays qui quitter et extradé ou bien qui est remis, ils ont fait avec les États-Unis, sortir en Haïti par les États-Unis. Et puis, les États-Unis condamnent les gens. Eh bien, pour qu'ils fassent extension, pour qu'ils fassent décision, ils ont fait en Haïti ou bien dans l'autre pays. D'abord, c'est pour protéger les citoyens, pour ne pas punir deux fois. Ou bien pour ne pas punir, pour ne pas avoir sanction plusieurs fois, pour même bagaille qui ont été commis en Haïti. Ou bien qui ont été commis en Haïti ou aux États-Unis. Et ça, c'est un principe qui reconnaît sur le plan international. C'est pas mal à l'Ukraine, c'est pas motivé, c'est pas article qui n'a pas écrit, c'est pas écrit, n'a pas signé, comme si on l'école, on l'idée, mais c'est un mal qui est établi par des textes normatifs au niveau international. Ou pas bien droit pour suivre mon condamné plusieurs fois pour même mal à l'Ukraine là. Et ça a été consacré dans l'article 14.7 pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est ça qu'on a dit dans le temps. Et consacré tout dans l'article 8.4 dans la convention relative, convention américaine relative aux droits civils et politiques. Et sans ça, c'est ça, deux textes sérieux, ils traduisent à mener le sens de la centralisation des poursuites pénales. Pour qui ça, pour contribuer à bonne administration de la justice en matière de droit international. Ça veut dire que pour harmoniser la justice pénale là, États-Unis, Haïti, l'Afrique, le Canada, donc il faut centraliser la justice pénale. Les candidats, on se dit que c'est un principe qui est fondamental, qui est reconnu par le droit international. Deuxième raison que vous consacrez la question de l'effet sur le palier, on parle d'effet sur la question de citoyen. Nous parlons de l'effet tout sur la question deuxièmement, c'est pour sécurité territoire. Et dans la même question, avant de mal sur la question du territoire, effet sur, ou même que vous posez des questions sur effet des décisions qui prononcent à l'étranger, c'est le contexte là. Hein. Par exemple, on prend des mondes qui condamnent, pardon, des mondes que l'ONU, Nations Unies, dit, moi j'ai une obligation de réserve parce que moi fais partie des Nations Unies actuellement. Donc, l'ONU, il y a des mondes que les Nations Unies prononcent des sanctions contre eux-mêmes, par exemple. Eh bien, je dis ou non, question de criminalité organisée en Haïti ou non, avec terrorisme, peu importe. Et si vous avez jugé en Haïti, tout le monde est aux Nations Unies condamné, en fait, pas condamné, mais qui prend des sanctions contre eux, l'origine des sanctions. Hein. Si vous jugez en Haïti, les États-Unis, même les États arrêté ou voué aux États-Unis, écoutez, les deux états juges, les États-Unis, en aucun cas, moi, sûr, à 100%, les États-Unis, pas qu'à juger encore, sans principe. Il y a un tribunal, écoutez, client, on a été jugé, on a été déjà nous sommes bien condamnés, maintenant, on va pas juger aux États-Unis encore. Deuxième raison, c'est pour question de sécurité territoriale, le pays, par exemple, en matière de terrorisme. C'était dans son savoir, il y a un pire monde qui fichait sur le plan international. Et toi, comme fichier dans l'Interpol, etc., qui termine à fichier, ou bien qui condamné, qui déclaré comme qui dangereux. C'est dans son savoir, après que le raccordement de visa, on peut demander, est-ce qu'on participer dans un terrorisme déjà. Est-ce que tu es condamné pour un terrorisme déjà? Donc, c'est deux raisons qui fait que l'effet décision internationale qui prononce à l'étranger, il y a effet sur l'autre pays, sans délai, l'internationalisation des décisions pénales, ou sans délai, l'extension des décisions pénales. Mais c'est plus ce premier aspect, c'est sous question de sécurité citoyenne qui fait actualité en Haïti actuellement, dans ce pays, qui fait condamnation au monde à l'étranger à exercer de trois façons. Et c'est ça qui est intéressant. Et fait condamnation au monde à l'étranger à exercer de trois façons.
C'est très important. L'État existe pour les façons dans le cadre en application d'application de la loi pénale dans l'espace. Ça veut dire l'application de la loi pénale dans l'espace. Donc, on n'a pas besoin d'un accord entre deux pays pour ça. On n'a pas besoin d'un accord entre deux pays, par exemple, entre les États-Unis et la paix Haïti pour ça. Mais il faut payer en côté criminel, en fait, côté infraction en fait, dans l'infraction en fait en Haïti. Il faut que les États-Unis lui-même les gagnent en réciprocité. Et par contre, les reconnaître, par exemple, sur une commettre infraction de blanchiment en Haïti, il faut que l'infraction de blanchiment soit reconnaître en législation avec elle, en réciprocité. Et infraction mon nom maintenant li j'en te dire li exister dans tous les deux pays c'est que il y a fait de multiplicité et dans ce ça si mon nom dans un pays étranger donc condamnation ça li automatique tout dans pays citoyen côté mais fait infraction ça c'est première façon que nous pas dit et fait dans les effets en décision internationale ça gon ça une implication ça gagne automatiquement dans l'autre pays. Deuxième façon de manifester c'est ça nous aider sur l'utilisation des décisions pénales et c'est ça en fait actualité en actuellement. Deuxième façon c'est effet ça c'est sous ça nous aider sur l'utilisation des décisions pénales dans ce ça. Première façon, pas obligé de gagner un accord, pas obligé de gagner un accord international, pas obligé de gagner un accord bilatéral, c'est question de l'application de la loi pénale dans l'espace. Si on met en place en Haïti, par exemple, il est aux États-Unis, eh bien, Haïti, oubliez que c'est son bagage, Haïti a demandé aux États-Unis pour poursuivre directement. Il a demandé pour poursuivre, non, ça c'est parti à Haïti, c'est le comité de gouvernement. Ça a voué un pacte d'application, pas une inflation aux États-Unis, il y a l'autorité de poursuivre les États-Unis qui peut écouter mon mandat pour poursuivre tellement pour moi. Le ça, il va le cas de SBN, c'est possible sous infraction. Deuxième façon, c'est sur l'utilisation des décisions pénales. L'État, il faut qu'on accorde, effectivement, qu'on accorde bilatéral ou bien qu'on accorde multilatéral qui existe dans des pays au monde condamné dans un pays qui s'y a accordé. Qui va la dire? Décision ça, il reconnaît dans tout pays. Si on accorde entre Haïti, bilatéral entre Haïti et États-Unis, sous une telle infraction bien déterminée, blanchiment, corruption, si on parle des juges en Haïti, automatiquement, j'en souviens d'ailleurs, il reconnaît, décision ça, il reconnaît dans la législation, dans la justice américaine. C'est même genre, si on a des juges États-Unis, là, en Haïti, on accorde bilatéral sous ça. Eh bien, écoutez, c'est parce que ça nous reconnaît dans Haïti et les votants pour s'amener l'accord multilatéral. Et c'est notre sensibilité, on sait qu'il y a une fraction qui est entrée dans l'utilisation des décisions pénales. Donc, nous prenons, par exemple, cas de blanchiment, cas de corruption, qui est consacré par une convention, que nous avons la convention du Palais des Nations Unies, qui a été adoptée, conclue le 15 novembre 2000, sauf erreur de ma part, par un paquet de pays. Par un paquet de pays pour deux raisons. Pour deux raisons, tout ça a été conclu convention ça. Accord, ça a soulevé accord, convention, charte, protocole. Donc, en droit international, on sort de barrer une liberté formaliste et que pas n'importe quoi, une charte, une accord, une protocole. Pour deux raisons, on a été conclu à cause ça. On a été conclu à cause ça, on sort d'une barrière, on dit c'est bien dommage. On dit c'est bien dommage pour dire qu'au monde qui font en fraction Haïti pour juger, c'est bien dommage. Mais c'est dommage pour qui ça. Pour deux raisons, il a été fait, il a été conclu à cause ça. Pour pays côté justice en faible. Parce que l'habilité Haïti, justice, non, donc justice, c'est mal, donc justice, c'est très faible. Et bien parce que pour protéger justice au faible, pour éviter l'impunité, quand c'est le monde qui fait vous présenter, il n'y a pas besoin de juger. Et pour éviter, et surtout pour ça, aux citoyens ne pas juger, ils ont dit qu'ils ne pas juger deux fois pour même balala. Et Haïti, c'est parti de convention ça a été à partir de 2011. Mais retournez sur ça encore, à partir de 2011, vous quittez ça, Haïti signé à Kosara. Moi, je suis au gouvernement palestinien le 13 décembre 2000, mais il est parti à Kosara à partir de 2011, le 19 avril 2011, non, qui sont partis de mieux, vous pensez que Marie est solide. Troisième façon, c'était pour une condition qu'on finit, côté que l'effet sur le deuxième cas qui va manifester, troisième façon, c'est qu'on dit, troisième façon, c'est l'effet condamnation étrangère à gagner sous l'autre pays, ça y est, par compétence universelle là. Compétence universelle, c'est la validité. Il y a des fractions que l'on pays dit, écoutez, il y a des potes en politique. Par exemple, les États-Unis, il y a une grosse tragédie qui est passée et en 2001. Est-ce que c'est 13, en septembre ou 13 septembre, en septembre 2001, c'est gagné, il y a des attaque terroriste, World Trade Center. Ouais, voilà, non, je t'en maintenant, il y a des pays qui disent, écoutez, tout crime contre l'humanité, libère cette compétence universelle pour juger ça. Par exemple, la France, donc on a, comme on dit ça sur français, ça fait bien, la France dit, écoutez, tout le monde qui commet un crime contre l'humanité dans un pays, par exemple, Haïti, vous mettez un crime contre l'humanité en Haïti, ou bien dans un pays africain, des sur le territoire français, qui s'appelle sur le territoire français. La France dit, constaté, ou sont les gens qui commettent un crime contre l'humanité en Haïti ou en Afrique, des sur le territoire français, la juge automatiquement. Oui, professeur Bézola. Allô? 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 Et où la professeur? Où là? Oui, où m'a avancé? Donc, la France va être établie en compétence universelle pour essayer de l'infraction qui est crime contre l'humanité. Donc, ça veut dire qu'il y a trois façons. On dit ça hier, l'homme d'affaires réaction sous déclaration, professeur, et bien à vous, non, mais avancé. Donc, ça veut dire que l'idée que l'infraction pénale a lieu pour le soutien du droit national côté crime, en fait, c'est pas salier. Ça va salier tout juriste qui, avec tout le respect que nous avons, qui t'a avancé thèse côté que si nous commettons une infraction en Haïti, c'est là, c'est bien fait, ou bien si nous condamnons les États-Unis, c'est là, c'est bien. Parce qu'il y a plusieurs façons, j'en suis dit, il a voulu trois façons, côté qu'on condamne son fait mon pays étranger, et puis les effets sont l'autre territoire, malgré qu'il n'est pas condamné sur le territoire. Donc voilà en gros, et on mis en contexte en introduction de effets qu'on décision pénale qui prononcée à l'étranger par gagner son l'autre pays, malgré qu'il n'est pas prononcé dans un pays. Ça veut dire pour me comprendre plus tard, professeur Gaby Blaise. Ça fait me comprendre que dans l'application droit pénal, la compétence,
Donc, li territorial, mais Eiffel, pas territorial, li ka étendre presque dans le sens universel. Bien sûr, c'est ça. Mm-hmm. Que, mais li pas de sens, sinon que. Li pas de sens, sinon, article 14.7 et pas que international relatif aux civils et politiques ne donnent pas de sens. Article 8.4 sous convention américaine de la pas de sens, parce que sinon, c'était. Je t'abuse, on vous dit, mais qui vous était le là où est la permission ça. C'est pas contre le monde, contre l'intérêt, c'est citoyen et tout. Parce que les gens qui ont prononcé une chose d'italien, ils prononcent son décision finale, comme si aux États-Unis, ils disent innocent. Eh bien, même le langage haïtien, pour même faire, ou mettre son travail ou pas, lui, là. Donc, l'intérêt citoyen, tout, l'intérêt citoyen, tout, l'intérêt citoyen, tout. Si mon Haïti, je dis, moi, pour mettre une faction, je même pour mettre une faction, et puis je juge mon Haïti, quelque chose, j'en sais rien, moi, je suis à 400%, sous même fait ça. Que on dit que, bon, ça, c'est même dans mes rêves, je ne peux pas visiter, moi, ça, c'est de tourner l'argent l'État. Et puis, moi, quand l'argent, ça, moi, aux États-Unis, même quand il vient de toi, quand il est aux États-Unis. On a été déclenché en poursuite contre moi-même. Je ne parle pas de ça, c'était une analyse. Je me déclenche en poursuite contre moi-même. Je juge. Mais j'ai été appelé, c'est que m'appeler des décisions des tribunaux. Mais la Cour de cassation, je dis, ils ont consacré en innocence. Je dis que l'innocence ne va pas faire rien. Eh bien, États-Unis, ils ont dit qu'il y a 4 chaînes hôtels ou bien barnés caïmonais. Ils ont mené l'investigation, ils disent comme ça, ils ont été sortis, ils disent comme ils ont été détournés en Haïti. C'était moi, ils m'ont garanti à 400%. C'est pas la même question que le oui et blanc. C'est pas vrai du tout. C'est pas qu'ils sont blancs, blancs, c'est droit. Peu importe, ils ont fait des trucs cachés. Ah oui, quand même. En bas, ça vient de la vie, ils ont pris le droit pour faire passer. Correct. Donc, il n'y a pas tel contrat pour vous, comme du coup, c'est qu'il va le faire et avec autorité. Donc, d'ailleurs, en diplomatie, les gens nous pensent que c'est. Oui, c'est la loi. Puis, comme les gens nous pensent que c'est question du Bible en Paris, qui dit tout, c'est la loi pour lui. Et nous avons un débat sur Jovenel Moïse, que tu as dit, Jovenel Moïse, c'est quoi, il y a le signe Venezuela parce que c'est pas le question. Non, d'ailleurs, que le sang et les questions menaces et qui dit, en droit d'attention, ça va exister. Mais négocier, il faut qu'on quand même pour le passer dans la partie. Ou bien, on va pas des capacités de négociation et puis on utilise les faiblesses pour passer, mais c'est pas comme si un gros poignet, tu prends comme ça. Bien sûr. Maintenant, c'est nous-mêmes qui connaissons comment que pour nous négocier, pour nous parler avec les personnes, là, c'est même dans tout. On décide qu'ils sortent en Haïti, 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 en eh bien, États-Unis, avocat va parler, avocat dit, écoutez, qu'il y a un an jugé en Haïti déjà, donc, nous ne pouvons pas subir, États-Unis, malheureusement. C'est la sécurité juridique. Nous ne pouvons pas exemple à vos détails. Nous ne pouvons pas personnalité, parce que c'est moi qui décide de nous dire ça. Nous savons que moi, j'étais en France en 2020. En 2020, j'étais en France, et puis moi, j'étais gagné dans le dossier sur général. J'étais gagné et parquet qui était détenu, non, juge d'instruction, qui était détenu des mandats d'arrêt. À l'encontre de plusieurs actionnaires de sous-génère. Parmi tout avocat, chaque actionnaire sous-génère a un bon avocat. Moi-même, j'ai été représenté Dimitri Bon. Écoutez, tout avocat de réunion, tout le monde va y prendre un point de vue par moi, c'était contesté et me demanda. Ce que l'autre avocat était opposé à faire, il était l'autre stratégie par lui. Il dit moi-même stratégie par moi, pour moi-même sécurité qui est en train de contester le mandat. Peu importe. Parce que l'ordre de ses politiques, ma politique pour avoir ses droits pour faire. Bon, il y en a quand confiance, il dit ok, d'accord. Comme tout le monde vient avocat par lui, il dit ok, il y a mis à 10 pour moi. Il a quitté la conscience de Covid, non? Maintenant, on a été le 14 ou quoi? Non, 14 ou 16 ou. On comptait ce mandat de 16 ou, on commençait le 14. Eh bien, écoutez, je vais arrêter de mettre. Premier bagaille, Alta, on estime que Alta, c'est illégal. On estime que mandat illégal, on comptait-il. Premier bagaille, avocat américain, c'est réélimité. Moi, je me demandais, est-ce qu'on peut contester le mandat là? On dit oui. On dit oui, vous avez mis. Deux jours, vous comptez ce mandat. Eh bien, c'est la contestation de ce mandat. Combien qui fait que l'avocat, lui-même, l'idée de Dimitri Karel. Lui, moi, expliqué. Moi, expliqué, moi, dit, mandat à part à exécuter parce que l'on était suspensif, il est contesté devant la cour d'appel. Il est comme Dimitri Karel. Donc, blanc, respecte les droits. Donc, c'est pas que nous mettons en tête, oui, c'est blanc, la peine n'est pas pareil. Non. Maintenant, je dis, en décision qui sortit mon pays, mais sorti en Haïti, l'Ivine aux États-Unis, moi, je vous garantis à 300% côté que juridiction états-unis mieux, américaine, pas respecté ça parce qu'il y a des décisions liées à l'autorité de se juger. Maintenant, dans le cadre de la parole des traités de la Cour internationale, et même moi, j'étais compris, c'est deux bagages importants, la question de partie à un traité. Kilo, ou même, je pense, l'État, au pays, mais c'est membre, mais c'est parti à un traité. Parmi les choses de la question de passer en traité, accord, les bons libertés formalistes pour carrer l'accord, ou en Haïti, moi, je dis, on pas commodité pour nous, comment faire plus à l'aide de l'accord international traité. Mais normalement, carrer le traité, carrer l'accord, carrer le traité, carrer le protocole, carrer n'importe quoi, parce que les bons libertés comme formalistes, dénomination n'importe quoi. Maintenant, le droit international des traités, c'est très important. Le droit international des traités et normes nationales, il y a tous les deux, c'est deux barrages différents. C'est qu'il y a juste de s'enlever le corps autour de nous. Dans l'expérience traité. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le droit des traités, c'est le traité, lorsqu'on signe un traité international, avec constitution de l'Union européenne, constitution de l'Union européenne, c'est pas quoi TTA. Ouais, non, l'État nous dit comme ça que la hiérarchie normative, c'est constitution d'abord, et puis traité international, et puis loi, et puis règlement. Non, en droit international, pas ça. En droit international, chaque bagaille est autonome. Traité ou signé que l'État ou la choix, il dit pour faire partie de l'IA. Lui, son bagaille autonome, il n'y a pas autonome en droit international. Constitution, il n'y a pas autonome pas. Ça veut dire que tout fin signé en propriété, c'est tout fin signé ou ratifié. Dès qu'on ratifié, ou pas évoquer constitution là pour dire que oui, pas qu'à oui, peut-être ça n'est pas exécuté, par exemple, en disant qu'il y a un cadet. On va d'accord mettre tel monde parce que lui, contre la constitution, mais non. Non, on va évoquer la constitution pour éviter, pour exécuter un traité international. Ça va exister. Deuxième bagarre, c'est la signature du traité qui t'a dit, quand on parle de l'État. Lorsqu'une signe, c'est très important. Lorsqu'une signe en traité, il va conférer à l'État que le parti pour ça. C'est que Haïti signe en traité, on dit que c'est une chose d'Italie, on va se faire du Parlement, Haïti signé le 13 décembre 2000. Lorsqu'une signe en traité, Haïti pour parti à quoi pour ça. Bon, l'autre deuxième étape, c'est la ratification. La ratification, c'est l'exprimer consentement pays.
Donc, c'est pour ça qu'on fait Haïti, instrument de ratification par là, parce que instrument de consentement, il est réalisé par plusieurs façons. L'éducation, ratification, l'éducation, approbation, l'éducation, adhésion. Mais c'est lorsqu'il dépose l'instrument de ratification, ça, non, au lieu, non, dans la Chine, c'est le temps, il considère comme une partie à TTA. Et lorsqu'il partie à TTA, il est imposé à c'est pour ça qu'on fait Haïti. La convention parle de corruption sous crime transnational, sous crime transnational, criminalité transnational, on va pouvoir Haïti une partie là-dedans le 19 avril 2011, parce que c'est le temps Haïti exprimer consentement, les déposer ratification. Pour ça, c'est très important, ça va le dire. Et son erreur, ça fait longtemps en Haïti. Moins de comptes erreurs, c'était pour une étape pour une politique de comptes erreurs. On va suivre. La 5 sur 5. Allô, suivre, voilà. 5 sur 5. De comptes erreurs à tout, mais par rapport avec chaque moyen, moi, j'ai une fait expérience, moi, j'ai une fonction, moi, j'ai un travail, moi, j'ai une réalité en droit national. Et ouais, que nous, en Haïti, nous dit oui, article 39, plan qui a dit, il dit, écoutez, c'est accord là, les négociés, accord ICT, les négociés par le président de la République, il faut le ratifier par le Parlement. La ratification des statuts sont l'ordre de la vie. La ratification en droit interne, lit totalement différent avec la ratification de l'international des TTA. Et ça, c'est pas moi qui inventé, c'est convention de Vienne, convention de convention de Vienne, convention de Vienne, convention de Vienne, convention de et article 102, chaque nation unie, tout est réalisé. Ça veut dire que, créant l'officiel, nous devons être à vous, a été signé en TTA le 13 décembre 2001. Il faut passer dans le TTA, on y est. Ça veut dire que 3 cas en TTA. Le président, ou bien chef gouvernement, ou bien ministre à l'État, ça veut dire les ex-officiers. Excellent, il va être dans le président. Reprends ça parce que le très important. Trois moun ou dit que qui est capable de signer un traité. Président, chef du gouvernement, chef du gouvernement, et puis ministre à l'étranger là. Mais le plus souvent qu'on y est, le ministre à l'étranger n'a pas déplacé, par exemple, à une cérémonie internationale, on va appeler plein pouvoir avec ambassadeur qui est représenté dans la Nation Unie. Ambassadeur qui est là, ou bien ambassadeur qui est là, dans le pays quotidien, ça le fait en plein pouvoir. L'État a un document écrit, il va le mandat, il dit, moi autorisé. Ambassadeur, nous représentons nous autorisé pour signer l'emplacement, mais pour voir pour signer. Mais c'est trois membres qui ont qualité pour signer en traité international. Le chef de l'État, le chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères. Maintenant, l'Eltin signé Texan PP et TT, pardon, l'Eltin signé Texan, si Haïti signé, Haïti pour passer à TTA. Il faut faire partie de membres. Il faut signer. Et c'est pour ça que c'est un contact. Lorsqu'il signe TTA, il est indépendant de constitution pour parler. Constitution en termes de TTA, il y a deux constitutions en face. Et parce que vous voyez ça, on ne peut pas avec des députés pour qui ça. Lorsqu'il signe TTA, il y a la Rouabel. Le président, le ministre, la Rouabel. Donc, il y a la CAO, à côté d'un Parlement pour le Parlement ratifier le Conseil. Parce que depuis le Parlement prévoit, une constitution pour le ratifier, et mieux on fait ratifier la CAO. La vie de ratifier la CAO, la ratification en droit interne, c'est une sorte de mandat. Son mandat parlement va être évident. Il dit, président, écoutez, mon bon mandat, ou finissez en TT, ou portez le bon mandat parlement, moi, j'ai des moments que, du coup, la constitution, non, la constitution, non, et bien, mon bon mandat, mon ratifier, moi, je vous mets à la ratifier sur le national. C'est ça où il y a la ratification législative. La ratification législative, c'est mandat parlement, par président, il dit, vous êtes finissez, vous pouvez partir avec nous, vous pouvez partir, partie de monde, à quoi? Parlement, c'est ratifié pour vous. Les parlements l'ont ratifié pour et puis on va le super international de l'Union, ou bien la Nation Unie, ou bien côté TTIA, qui s'est déposé, là, parce que la Nation Unie a déposé là, on a tout choisi, on l'a été marqué, on l'a été organisé international qui déposé là. Je n'ai pas peur parce que c'est déposé là, ça veut dire que c'est l'année pour nous l'assigné. Et bien, le président tourne pour nous écouter. Nous sommes dans le nom des parlements, dans le parlement 10 mois, 4 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 mois, conséquent, c'est dit. Si le président lui choisit, si il choisit de ratifier le gouvernement, lui font instrument de ratification, instrument de consentement, il fait la ratification de l'ouvre en lettre, lui dit écoutez, moi d'accord pour signer le traité d'État. Il est d'accord pour ratifier le traité d'État. L'aide finit ratifier le gouvernement, il ne vient pas qui aveugle. Il ne vient pas qui avec la compte à l'Union, il n'est pas dans le cas encore. Avec constitution, ça ne vous dit pas comment avec l'État. Professeur Blaise, où est parti ça va expliquer là? Il est extrêmement important et fort comme le niveau pour le comprendre, ça va parler là. Je pense que je dis à nous prenons nos situations de engrenage, bah, c'est compliqué de vendre, non, mais non, parce que nous gagnons une société qui presque pas de référence, presque pas de modèle. Son jeunesse, bon, ils n'ont pas sous ni ligne, ni apprennent rien, ils sont sous TikTok, fait toute qualité causée, mais ils n'ont pas pris le temps pour autant de monde qui a parlé. Ça va dire là pour me réfléchir, pour me dissocier. Attention à mon avoué dans le Parlement. Effectivement. Parce que, yon nan bagay, d'après ça, me comprendre, professeur, vous avez expliqué là. Traité à la parler automatiquement, nous finir ratifier. L'Ipral fait partie de source droit nous. Automatiquement, on paye si on traité, li ratifié, li vin fait partie de droit nous, de droit pas nous. Ça veut dire que si le Parlement haïtien, pas de monde qui a niveau, pour garder ça qui est dans le traité, si il est compatible avec sa constitution, dit, est-ce que nous, on a qui ça nous apprend? Parce que tout le monde qui a parlé dans les médias, qui a donc pas quelque chose de tête en bas, qu'on va me comprendre ni sens yo. Là, oui, constitution dit, ok, mais attention, et ça qui pas dit, et les non dit. Professeur Blaise, je pense que parti ça, li extrêmement intéressant parce que droit sont belles bagages liés, droit c'est débat, et je pense justement, fuck, des monde qui connaît, qui prend du temps pour faire débat sous question yo. En retourne sur petit parti ça, nous saluons que tu as du verso. Il y a même la réponse, il y a le professeur Blaise, il y a même parti ça. Professeur Blaise,
on nous font retourner sur question traité. OK. Maintenant, c'est gens se disent il y a un traité ou bien un accord en protocole binational ou multilatéral, il y a deux étapes là-dedans. Trois étapes même. Première étape là, c'est négocier. Négocier le choix d'aléa, président, c'est lui-même, dans le cas d'Haïti, législation haïtienne, article 169 de la Constitution, c'est le président prérogative, il est capable de négocier, traité à compte national. Mais le président l'a négocié, il peut discuter sur lui. Il va y mettre des réserves, il propose un amendement, il va le là, on parle de son texte d'extradition. Président haïtien, président français, président américain, peu importe, chef gouvernement et barbarité radicale, c'est parce qu'il y a qui m'a placé là. Et c'est ce que je dis là. Il y a qui m'a placé là. Ou à l'Ipabon, ou à Pabon là. Pour moi, même, je vais vous demander de venir. Professeur Blaise, ou tellement parlé l'huile, permettez-moi de lire l'article là pour pays. Article, parce que depuis dans section B, des attributions du président de la République, qui depuis dans l'article 136, que nous habitués à répéter, mais l'article 139 là, il dit que le président négocie et signe tout traité, convention et accord internationaux. Et les soumet à la ratification de l'Assemblée nationale. Où mettre avancé? Donc, c'est dit. Maintenant, le président a des prérogatives pour négocier ce texte-là. Négocier, veut dire que c'est discuté avec un bon pays ou là, en conformité avec la Constitution-là. Encore une fois, professeur. T'as senti où est-ce qu'on débat n'a fait là? Oui, pas interview. D'où la nécessité pour nous suspendre, voter, moun incompétent, mettez dans le pouvoir. Parce que le président, il faut qu'il ait capacité de négociation. Il faut qu'il ait négocié pour le pays. Alors, par rapport à qui parle ni lecti ni écrit, et vous mettez comme chef de l'État. Où mettre avancé, professeur? Le président qui négocie texte, qui ça le fait, c'est lui dit bon, ministre. Le plus souvent, la négociation de l'accord ou bien du texte international, c'est toujours fait effectivement. Le président qui dit chef, mais il ne fait pas. En réalité, il ne fait pas ministre à cet enjeu-là. Maintenant, il négocie, il dit mais ça vous a pas la donne, mais ça vous a pas la donne, et puis c'est capable au vote. C'est capable au vote. Tout le monde est d'accord, c'est capable de négocier, c'est capable de finir, c'est finalisé dans tout le pays. On dit 40 pays. 40 pays, ça vous tombe d'accord sur texte-là. Combien pays va le signer? Haïti choisit pour le signer. Moi, je vous dis tout à l'heure, il y a trois mondes qui ont prérogatif pour signer un texte international. Annuler les ex-officiaux en droit international des traités. C'est le président de la République, le chef du gouvernement, ou bien le ministre des Affaires étrangères. Si yo yon là dans yo, yo tout a empêché, yo va en plein pouvoir avec annuler ambassade ou représentant par yoa, qui dans le pays y a. Maintenant, vous avez aucun signé texte là. L'aucun signé texte à Pounien, yo poko fait partie de la croix. Non, yo poko membre. L'aucun signé texte à Pounien, le droit international va possibilité de vous signer là. Pourquoi pas venir interroger à demain si je veux, on va venir dire que vous êtes signé par la constitution là, à la croix là. À le présenter devant le parlement là, et c'est là que je veux dire, c'est important qu'on gagne des parlementaires, c'est pas représenté. Dans ce contexte-là, on soutient Andrew Sotiel en Italie, Andrew Sotiel New York en États-Unis, à la belle carrière, nous avons tant pour réfléchir, pour soumettre à Parlement-là, et ce Parlement-là, qu'on est sanctionné, qui va dire oui, nous, avec les conformes de l'Union extérieure nationale, président de mon mandat, pour ratifier le gouvernement. Donc, ça fait deuxième étape, qui c'est, premièrement, au fil négocié, au signe sur le plan international, et pour retourner la carrière, on va le faire ratifier devant l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Donc, la ratification législative, c'est lui-même qui sont sur le mandat du président pour la ratifier sur le plan international. Donc, c'est deux ratifications. Maintenant, c'est la ratification sur le plan international, c'est lui-même qui convient partie à cet État. Et depuis qu'il est ratifié, on va dans l'Union qu'à temps pour le discuter. Rété. Anne Fontirité là. D'accord. On a dit que, comme nous ne parlons pas de Codia, parce que nous parlons pas de Parlement, parce qu'il est bien dit, il faut qu'il est ratifié par l'Assemblée nationale, ça veut dire ensemble deux branches Parlement, la Chambre des députés et le Sénat. Donc, pas de ça. Cependant, on a dit que, tout ça fin fait, président, il négocie, il signe, etc. Et puis il voit l'hypothèse de l'Assemblée nationale pour ratification. Il a ratifié texte-là, texte publié. Voilà que l'autre gouvernement qui vient après, il estime que texte a été mal ratifié. Est-ce qu'il y a une capacité pour révoquer texte-là? C'est peut-être ça. Très bien. Je suis content de vous poser des questions. C'est peut-être ça. Il doit être un bon pour qu'il faire un salaire pour dénoncer texte-là. Ou bien, pour qu'il dénonce texte-là, par exemple, ma pose de rapport. Le premier ministre Ariel Henry nous dit que les communistes de facto. Oui. Mais désolé. Le droit international dit, il n'y a pas besoin de connaître, est-ce que son gouvernement n'est pas intérim, dès lors que son chef de gouvernement a le droit, il va signer tout accord international. Il va passer pour le sien. Maintenant, l'un signe, nous estime, le Parlement estime que le gouvernement a son gouvernement de facto, il va dénoncer sien, c'est pas le Parlement qui a le droit, payant l'autre gouvernement qui vient de l'Italie, il va dénoncer avec ça. Là, vous écoutez, moi, demander que c'est ça pour me retirer la donne par la partie de l'accord. Intéressant. Maintenant, bon, l'autre bagaille, le droit national, si vous faites un accord à l'Italie, vous faites 20 ans à l'Italie, entre exemple, vous n'avez pas d'accord qui existe là où il était, Haïti et les États-Unis. Mais Haïti, Haïti, par contre, le gouvernement, on a fait moins compris. Moi, je dis, si le ministre de la Justice, prenez acte que nous avons posé, parce que si j'ai le premier, maintenant, 24 heures après, il a demandé au ministre de l'étranger là, vous voyez tout accord, je dégage tout accord Haïti signé, surtout accord après 1945, que les Nations Unies ont créé, vous voyez le gouvernement pour nous publier, c'est important. Parce que Haïti, aidez, autant les mon avis, Haïti passe un accord sur les déclarations. C'est pas possible, non? Vous n'avez pas d'accord Haïti là, oui? Non, moi, oui. Vous n'avez pas d'accord sur les déclarations. Hey! Haïti signé. Mais nous ne connaissons pas. Maintenant, c'est deux voix, c'est le ministre justice là. Et le ministre justice, c'est le carré tout. Madame Bipoquet, l'ICA demande au ministre à l'étranger là, M. Genius, lui demande de lui dire écoutez, dégagez-vous, je ne vois pas dégager, dégagez-vous dans le sens, c'est une question de collaboration interministérielle. En ouais, en joint,
tout traité haïtien yo pour publier parce que la protéger citoyen yo. Non seulement la protéger citoyen yo dans l'introduction non, mais la bonté pour sécurité l'état. Maintenant, depuis qu'on finit ratifier à quoi ça. Donc on est député. Maintenant, si on pas exécuté pour un problème de ça, on va voir que il a condamné Haïti devant la cour de la cour d'appel de justice. Maintenant qu'on y a, dans ce dire, si Messi n'était pas gagné qualité pour être signé sur la cour d'appel, et bien moi je suis président, ça me fait moi dénoncer à quoi. On dit moi pas d'accord avec parce que mon président, on dit pas d'accord, on me sortit et non à quoi. C'est ça qu'on va faire. Mais tout on va dénoncer à quoi il était applicable ou pas ça, brandi constitution, pour dire constitution, non parce que c'est tradition. Non, mais pas comme ça. Constitution parce que c'est tradition, mais aussi on a quoi d'appel, c'est tradition. C'est ça que je dis que la constitution, c'est-à-dire le droit interne et le droit international des traités, il y a bien autonomie par eux. Ou par rapport à cette constitution-là, pour dire qu'on ne peut pas exécuter un traité international. Non. Maintenant, on est sur le plan interne. On va bloquer l'exécution. Ça, c'est au même sur le plan interne devant la juridiction nationale. Mais on ne peut pas empêcher pour le décider. Maintenant, bon, la constitution, c'est ce qui est important dans ce sujet. Ça a bien été. Même là, au cas d'innocent. Mais si on a un rapport extradition avec les États-Unis, par exemple, la France, on fait 50 ans, on va voir appliquer. On dit, on tient depuis 1950, on va voir appliquer. On va appliquer. Tout gouvernement qui vient gouvernement préval, gouvernement Matéli, gouvernement Aristide, il ne va pas nous dénoncer. L'on parle de nous dénoncer, il y a besoin de l'individu tard. Parce que bon consentement par la pratique que vous faites. Parce que vous avez 50 ans, on va pratiquer, vous avez besoin de dénoncer. C'est là, il dit, oui. Donc, il y a. Le phénomène va dire, écoutez, vous avez tel monde ou pas de vous, parce que son théorie est, eh bien, il parle devant la cour internationale de justice, va dire, écoutez. Ou pas qu'à venir dire ou à dénoncer le gouvernement, parce que l'histoire, parce que vous comprenez comment ouvrir un comportement dans l'élite, on consentement passe avec régularité, c'est-à-dire donc pas à dénoncer encore parce que vous êtes content de vous pratiquer. Donc c'est parce que je vous dis, il est important pour nous des mondes qui valables, qui représentent la parlement, parce que nous avons apprécié, traité à l'ingénieur, le président côté de Bayo, pour lui-même, pour lui-même, pour parlementaire, pour l'analyser, pour dire est-ce que c'est calculé pour la constitution, ou est-ce que répondre avec valeur, pays nous, etc. C'est même bien par exemple. Soufine si on a encore un bon exemple comme ça. Soufine si on a encore sur question de homosexualité, mariage ou homosexuel, par exemple. Nous même dans pays nous avons tradition que non pas cette promotion pour homosexualité même leur droit etc. Là on respecte non professeur mais ça vous parle même pas quoi une cosille non où elle non non mais nous pas connais parce que nous sommes au cap là au grand tibaga qui fait au cap et même dans tibaga un chla là moi j'ai deux monde qui ont les deux tifi qui ont les passer mais sous l'autre que on envie prendre chaîne pays ou pas font coup de jeu ou pas nous c'est ça nous sommes là y a tes propositions bah comme ça mais pas le moins faut qu'on ait tellement gagné encore nous pas mon tio là ça dit faut des propositions question ou pas ouais ça. La première étude qui a été et à laquelle je suis soumis, c'est que moi, j'ai une obligation de réserve pour mon travail. Okay. Par rapport à ça, la deuxième bagarre entre tout, moi, j'ai une obligation de neutralité. Oui. Parce que quand tu fais partie des Nations Unies, ou obligation de neutralité ou pas qu'à. Oui, mais bon, mais quand même, je vais pas tomber sur ça. C'est qu'il y a deux autres. Bon, c'est maintenant. Tout finit en accord pour homosexualité ou reconnaître mariage homosexuel. Et puis, vous dites consacré au signe et vous au bord de constitution, au signe ou artificiel. Mais c'est après que vous dites consacré les pas gagné, les pas traité valeur que nous gagnons. Non. Maintenant, vous n'avez pas que pendant au Parlement, des parlementaires qui ont une capacité d'analyse, de réflexion, qui ont dit, écoutez, c'est ça, il n'y a pas reflété par le Lacaïnon, nous, comme président en droit, nous avons le mandat pour la cité supranationale. Donc, ça fait que c'est important, effectivement, qu'on ait des gens qui valent dans le Parlement. Et c'est notre société qui fait que nous avons un sujet d'actualité. Peu importe, pour pas dire personnalité, mais c'est important parce que moi, j'ai dit tout le temps. Le Haïti a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée, qui s'est conclue le 15 novembre 2000. Que M. dit à l'heure, Haïti vient partir à Convention ça le 19 avril 2001. Nous tenons cette année à principe directeur de ratification d'accord qui vient au regard de Convention, d'où Convention Vietnam, qui c'est Convention 69 et 46 ans, et surtout au regard de l'international des traités et au regard de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. C'est dit. Qui s'est passé? Il y a des juristes haïtiens qui disent, mais non, Haïti, M. Jean, en discussion avec un juge qui est compétent, qui dit, mais Gabi, grand problème. Parce que Constitution haïtienne, non, il n'est pas prêt en Italie, interdit extradition. Il dit, mais ça c'est le problème d'Haïti, ça ne vous pas le droit international. On va regarder les constitutions-là, effectivement, que lui-même ne va pas connaître, nous, juste sous ça, moi-même, on va connaître tout, ou dans le droit international, ou pas qu'on écrit la constitution-là. Que vous dites qu'il va pouvoir extradition. C'est dans la réponse, parce que vous êtes en train de si les États-Unis vont pour extradition, ou extradition de M. Guy-Philippe Bouvalli, pour regarder, parce que vous êtes en train d'accord, ou t'es signé convention ça, convention et 2000 ans. Professeur Blaise, attends, le coq, on va aller vite là. Parce que majorité de monde qui prend position des avocats, bon, quand même, anciens, n'a pas dans le pays, hein. Ils ont tout dit que pas de jambes de questions à accord, pas de jambes de questions en aucun accord qui était signé, accord comme si traité d'extradition entre États-Unis et Haïti, pas de jambes de bail comme ça du tout. Qu'est-ce qu'il lui a capoté en plus ou non? Parce que c'est vrai, on évoque les questions de 2000 ans, mais justement, on continue à dire ça dans les médias, sur les réseaux sociaux, ils ont dit pas de jambes de accord qui était signé entre Haïti et les États-Unis pour question d'extradition. Pas non plus éclairage sur ça. Ok. La première façon, en fait, pas la première façon. Premier conseil que ma baille, je vais sur les réseaux qui sont, font y aller. Ils ont côté pour qu'on recherche dans la section de la députée. Regardez pour nous, est-ce que Haïti, d'abord, parce que nous faisons des recherches, non, est-ce que Haïti a signé un accord bilatéral avec les États-Unis sur question de l'extradition? Deuxième qui est important, c'est que nous connaissons. Haïti n'est pas obligé de signer un accord bilatéral, mais dès lors que Haïti signe un accord multilatéral qui vient partie la dame, Haïti partie la dame, États-Unis partie la dame de l'extradition, automatiquement, il y a une extradition entre Haïti et États-Unis. Ma compagnie, ça me dit. Bon accord qui signe sur l'extradition, qui dit,
Haïti, Saint-Domingue, la France, Canada, Barbade, peu importe. Je veux dire, il y a 40 pays qui ont signé son accord d'extradition. Je suis d'accord que si vous avez une façon qui commet sous notre territoire 40 pays, l'autre pays n'a pas commandé pour extrader. Automatiquement, que Haïti, il y a un accord d'extradition avec les États-Unis, mais le cas bilatéral, les multinationales, les multilatérales. Donc, moi-même, je connais bien des accords qui existaient entre eux, en tout cas Haïti parti la donne, ou les États-Unis parti la donne, sur question d'extradition. Des matins, c'était pour nous aller au chef d'abord. Parler de ces questions, moi, mon unité sont pratiques, mais ça va exister sur le plan. Non, pas du tout. Ce n'est pas la pratique. C'était moins sur Julien. Blanc, pas besoin de malade, il connaît qu'il va exister sur le plan et immédiat. La fonction, on va aller, mais la chercher, on va chercher. Ouais, faut le bien appuyer. Nous faisons débat ça. Appuyer la chercher quand même. Ouais. Et ça te fait souvent, on sait pas, on sait qu'il n'y a pas fini clair. Parce que là, on travaille au nom espace, on dit, ouais, on vient ça. Donc, nous voulons tel bagaille, sous pas, on fait tel bagaille, donc arrangez au tel bagaille. Mais, il n'y a pas fait, il y a même, il y a faux fait. Et ça te fait un pile qui pas droit, faut nous prouver non, dans l'élection de quelqu'un dans le pays. Pour nous pas voter nèg qui dans drogue qui dans kidnapping qui dans gang qui dans volant qui dans corruption parce que nèg ça a gon épée Damoclès sous doyo yo pas jamais ca négocier ces deux bagages pour le pays on met devant ces professeurs et c'était là une justice qu'on vous travaille pour faire c'est important avec la qualité bon à travers la qualité ça c'était une justice qu'on vous travaille pour faire avec ministre de l'Angola ministre de l'Angola mon ministre de l'Angola c'est important pour nous parce que c'est le sujet de la société c'est le sujet de la qualité de notre grand pays il était objet de débat le gouvernement réagit rapidement à travers une question de notion. Mon cap défendre les partisans de Guy Philippe, les refusés de Guy Philippe. Moi, je ne connais pas avec Guy Philippe, je ne connais même pas. Non, ma défense est un principe qui est important. Et ça va dépendre du bon pour Guy Philippe, tout demain, si je veux, il y a. Guy Philippe n'est pas un candidat, même pour la présidence. Je vais essayer de faire un jugé, je vais faire un jugé et il y a ça déjà. Nous condamnons déjà. Nous parlons même de juger pour blâchiment. Et dans ce cas, ma petite parenthèse, moi, étant des juristes qui notaient, qui disaient, oui, infraction du blanchiment, il faut consacrer un endroit interne noir, un endroit haïtien, parce que bureau reprochait Guy Philippe des faits de qui passait en 1997, alors que le blanchiment est consacré en 2005. Là, on a l'opinion de ce côté d'été. Il est écrit sur ça. Le blanchiment, c'est une infraction occulte. Qu'est-ce que ça veut dire, infraction occulte? Infraction occulte veut dire qu'il y a un exemple très facile. Je ne exemple pas, même pas l'auteur encore. Je suis dévoué pour. En tant que M. Guy Philippe, il a reproché des faits, il y a des faits de corruption, il connaît, il commet en 1997, il y a un problème. Même l'agent ça, en 2017, il aurait été investi en 2000. En 2001, il aurait que. Pas dans 2001, en 2001, il concaille à l'agent qui est fait en 2017. En 2014, Guy Philippe, l'agent ça pour déclarer financer un parti dans l'élection. Très bien, écoutez. Le blanchiment commence à partir du. Il commence à partir du dernier acte qu'on commet là. Oh, non, ça est important, oui. Ça est important. On va reprendre. Oui, reprendre pour le peuple là. Je reproche à Guy Philippe, par exemple, des actes que tu commets, ou admettre, que Guy Philippe, il y a des actes, je reproche en 1997, pas de problème. L'agent qui a investi, il y a investi, il y a son caravelle depuis en 2001. Alors, ça fait un exemple, on apprend, hein, pour nous comprendre. Oui, c'est exemple, on apprend, oui. Il investit comme ça, la chambelle caravelle, Jérémy, en 2001. Là, c'est trois cas, par exemple. Eh bien, on a eu l'élection en 2015, les élections territoriales, les salariés, qui s'en fait, on a eu l'investi dans l'élection là. Le point enquête, vous allez voir, comme Guy Philippe est investi dans l'élection en 2014-2015, c'est la campagne. Eh bien, le délai de prescription du blanchiment, il commençait à partir de la dernière action que vous posez. Dernière action que vous posez. Vous comprenez. La dernière action que vous posez, c'est l'État qui a fait révéler que le blanchiment, c'est une infraction occulte. Maintenant, ça n'a pas qu'un bête, vous ne pouvez pas défendre Guy Philippe. Il y a pas de problème, parce que moi-même, je vais vous dire. Pas de problème, je vais vous dire, c'est vrai que ça n'a pas été, mais je vais vous dire, avocat Guy Philippe, vous ne pouvez pas défendre ce cas. Et moi, c'est que vous ne pouvez pas défendre Guy Philippe, vous ne pouvez pas défendre Guy Philippe. Sous plan national, sous plan interne haïtien, je parle en interview sur les outils contractuels, infraction ça, puisque le petit commerce a déjà mis la carrière 17, donc je parle de reprocher du blanchiment en Haïti. Ça n'a pas été une partie, c'est la meilleure façon, pour le défendre. Donc il y a un argumentaire peut-être qui est défendable, mais franchement, ce ne sont pas les meilleurs moyens de défense que pour Guy Philippe. Maintenant, pour qui ça me dit ça? C'était sous l'article 5 là. Et pourquoi même besoin de l'article 5 là? On a aimé sous l'article au simple article 10. On peut faire débat, pas un débat sur ça. M'a dit article 53, conférence, on va aller beaucoup dans la sous permettre moi comme deux secondes, ma blinde. Ou article 53 sous. Très bien, ok. Article 53 sous. Ma petite lié pour tout mon hôtel. C'est conférence des parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Conférence des parties, ça, c'est un texte. En sorte des décrets d'application de convention 2000 ans. Vous vous souvenez de convention Palais 2000 ans. Convention Palais 2000 ans, c'est une convention qui est dit, qui fait par tout pays, Haïti fait partie des qui dit qu'on va t'arrêter et criminalité transnationale, qui est blanchiment là-dedans. Maintenant, il y a une conférence des parties à la Convention des Nations Unies, et il y a une conférence le 7 août 2017. Il y a des mécanismes pour nous faire une meilleure application de convention de décision. Qui ça, article 53 du DC? On va avoir un débat sur la question de reconnaissance mutuelle de décision pénale. Donc, décision qui soit sous condamnation du Philippe Blanc, ni automatiquement transposée en Haïti. On va lire l'article 53, vous, c'est ce qui ça le dit. L'article, l'intitulé, c'est effet du transfert des procédures dans l'État requérant. État requérant, c'est l'État qui demandait maintenant. Par exemple, si les États-Unis demandaient. Monsieur Guy Philippe, Haïti, États-Unis, c'est l'État requérant, Haïti, c'est l'État requis. L'article 53.
L'article 10 du traité type, ça veut dire que nous sommes traités de convention par l'EMNA. Ouais. L'article 10 du traité type prévoit qu'une fois que l'État, oui, en parlant de l'Haïti, a accepté d'intenter des poursuites contre le suspect, l'État requérant, États-Unis, suspend cette poursuite sans préjudice des enquêtes qui se révéleraient nécessaires et de l'assistance judiciaire à fournir à l'État requis. Jusqu'à ce que, et là, jusqu'à ce que l'État requis, Haïti, fasse savoir à l'État requérant que l'affaire a été définitivement tranchée. C'est pas un débat. Tout ça, qui t'a dit? Non, faut t'en reprendre encore. Faut t'en reprendre là. Seulement le texte là encore. Ouais, il faut le peuple là. Moi, je vais te dire, je vais finir de comprendre. Et c'est ça qui m'a été confusion. C'est là maintenant, je ne suis pas sûr que, pour moi-même, professeur Blaise, son référence pour moi, qu'on voulait qu'on parle. On va parler parfois à toi, professeur Saint-Louis, mais qu'on y a l'antique dans l'autre bois. Mais professeur Blaise, son référence pour moi. Là, son docteur lié, c'est qu'on cadre au fel. On dit ça déjà. Maintenant, en pile débat qu'a fait maintenant, on sait que nous avons parlé, bon, ancien, gros avocat en payant. Est-ce que c'est lié ou manqué lié? Ou bien est-ce que ça est lié ou pas comprendre lié? Ou bien c'est exprès ou fait même pour capable bouiller cervelle peuple là? Qui la gagne plus? Parce que c'est débat qu'on a fait dans les médias, la gagne plus dans la confusion, hein, oui. Parce que chaque nègre vina ou bagay pa yo, yo dou mais ça la loi dit. Alors que yo pa ka bon texte légal qui explique Jean Wabdi la, mais ça la loi dit. Relie article 53 pour pays à professeur Blaise. C'est peuple a besoin de ça. Ah, moun ki sou fait débat, yo besoin de partir ça. C'était honnêtement, mon cas de bon sens, mais honnêtement, mon côté, je ne sais pas qui évoque la condamnation pénale, monsieur Guy Philippe, ni pas à Kisabana Haïtien, parce que yo de bon sens. Pour qui ça? Nous avons dit que nous pas faire recherche, nous pas l'intéresser aux amis. Et pour là, nous problème de ça, parce que c'était au cas publié en Haïti, quand nous publions. Parce que si on parle à la connaissance de juristes, moi-même, je change de moi-même, je recherche moi-même, ou pas bon chance, moi-même, je recherche ou bien, il y a des avocats qui ne font pas recherche pour gagner. Il y a des avocats qui ne font pas possibilité de recherche, ou bien, il ne font pas de temps pour faire recherche, ou pas de texte, mais c'est ce. Maintenant, pourquoi ça fait moins insister? Et c'est la fait que les juristes disent, pour la condition de la loi, dans la loi, moi, qui assiste, moi, dis non, moi, à 300%, oui, condamnation, monsieur, ministre du plan, il reconnaît automatiquement la loi. C'est mal dit, c'est pas c'est pas ce que je veux du cancer des procédures dans l'État côté, ça fait l'institué du texte de l'article 53. L'article 10 du traité type, traité type, on va bien nous dire la convention du Parlement sur les questions de corruption, blanchiment. L'article 10 du traité type prévoit qu'une fois que l'État requis, Haïti, a accepté d'intenter des poursuites contre le suspect, l'État requérant, les États-Unis, suspend ses poursuites sans préjudice des enquêtes qui se révéleraient nécessaires et de l'assistance judiciaire à fournir à l'État requis, jusqu'à ce que l'État requis fasse savoir à l'État requérant que l'affaire a été définitivement tranchée. Je continue. À partir de cette date, à partir de date que l'État requis a été tranché, à partir de cette date, l'État requérant classe définitivement les poursuites à l'égard de l'infraction considérée. Pété. C'est ce qu'on appelle pété, c'est ce que je viens de dire, ou pas qu'à juger le monde de fois que je l'avais là. C'est clair, c'est ça, monsieur Vodel. C'est un texte, c'est un texte. Qu'est-ce qu'il a dit? Depuis, par exemple, États-Unis demandé à Haïti, il dit, bon, monsieur Guy Philippe, parce que je veux juger. Haïti a dit non. Mais dit dans la caïmo, mais c'est poursuivre contre lui-même. Automatiquement, les États-Unis ont suspendu ce poursuivre la caïmo, parce qu'on a vigé la caïmo. D'où la nécessité, professeur Blaise. C'est ça, m'a dit Mounio chaque jour. Si il y a des nègres reprochés des bagages en Haïti, il est nécessaire, je vous dis, pour la justice haïtienne, t'as pris responsabilité. Parce qu'on pas qu'être Mounio reprochés des bagages, alors que la justice haïtienne fait silence total, alors que y'a un argument, y'a un élément dans le main, si toutefois, on t'a pris une décision de justice contre Mounzaïo, quelque part, y'a sauvé, y'a protégé Mounio quelque part. Si vous avez dit là, c'est l'exemple, à tout. J'entends dire, ou tu ne peux pas comprendre ce qui se passe, puis il y a de plus détaillé parce qu'on s'en va, ou bien, parce que nous ne passons pas. C'est pourquoi ce n'est pas intelligent, il y a réalité. C'est pas intelligent. On aime tellement pouvoir une autorité, il y a une prochaine, on ne parle pas de corruption, mais il y a une prochaine combat en Haïti, c'est rapide, donc il y a un jugement en Haïti plutôt, oui. Parce que son protection est libre, donc il y a un jugement en Haïti. Mais alors, ça crive là, il y a l'autre problème, professeur. Bon, un petit parti, ça dit là. Les gens doivent tout prendre pour profiter. Tellement justice bon. La malade dans le pays. C'est ça. Oui, c'est là-bas à mélanger. Qu'on n'y a rien de voir. Haïti, gros problème. C'est si malheureux dans la prison. Gros nègre qui sont liés à quoi? Ils ont de l'argent, ils parlent dans la prison. Ils ont un juge par eux, ils ont un commissaire par eux, ils ont un chef police par eux. Tout le bagage par eux. Mais c'est des gens qui ont un manque de. Ils ont manqué inventif. Parce que si on ne peut pas comprendre Jovenel Moïse, tout est au Caribéen. On ne peut pas comprendre Jovenel Moïse pour pas de président. Tout profiter de la dossier à la bonne du jeu. Pour juger mon abus. On ne peut pas comprendre que par exemple, moi j'ai pouvoir non même. On ne va pas encourager corruption, on ne va pas encourager impunité, on ne va pas encourager la criminalité. Mais on fait une réflexion sur la réalité. Nous, on est intelligents. Si nous avons pouvoir nous-mêmes, nous reprochons mon travail dans le pays. Nous connaissons que justice, les déjà chefs, déjà, c'est pour moi, c'est la criminalité, tout ça pour manipuler. Pardon, on a dit ça. Excusez-moi, pour profiter du juge de la réunion. Qui est blanchi la réunion? Parce que tout le monde est intéressant, il ne va pas faire de manière encore. Il y a des pères, il y a quelques juges, il n'y a pas. Les jugements, il peut aller, mais on ne sait pas. Il y a pas tout le juge qui voulait aller devant lui, c'est ça le problème de mélanger. Maintenant, le principe général en droit international, c'est que, et c'est pas moi qui ai inventé, nous dit l'article 14.7, pacte international relatif aux droits civils et politiques, lui consacre. L'article 8.4, convention américaine relative aux droits de l'homme, lui consacre moins d'une dans le travail de recherche, ou pas qu'à juger au monde de force, même malade, pas exister.
c'est dans le volonté de souveraineté universelle lié. Et mais là, article 53, sous conférence des partis de la Union, il dit encore là, il dit, depuis par exemple, États-Unis mandé M. Guy Philippe, il dit, bon, moi, je m'en demande à Guy Philippe, je m'en dis, convention multilatérale, il dit, oui, pour vous le bon, convention par M2000 ans. Et il a dit, non, États-Unis, pourquoi vous ne pouvez pas vous dire, la carte, vous ne pouvez pas automatiquement, les États-Unis, ça suspend sous poursuite par là. Ou non, si les États-Unis ont des informations, par exemple, dans le blanchiment, il y a un cas Guy Philippe, 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 est-ce que vous avez un professeur, mais le problème est est-ce que mon yo qui est dans l'État, qui est autorité, qui est dans le ministère de justice, etc., est-ce que vous avez une compétence vraie pour comprendre ou bien connaître ça va expliquer là yo? Parce que écoutez, nous, c'est tellement nous marcher tête baissée devant blanc, comme si malgré des accords, des traités, des conventions, des bails que nous ratifions, nous signons. Mais le Bible en parlait, nous courons, oui, amen. Alors que nous avons un argument que nous devons défendre tête, non. Non, oui, parce que là, nous parlons. Oui, j'ai un argument maintenant. Le coup qui s'est passé, vous pouvez voir, échange ça, vous avez le transfert des informations. Si Haïti dit poursuivre M. Guy Philippe, et puis, États-Unis disent, OK, sous des séries possibles, du citoyen ou sur la donne, du fiable, pas de problème. Moi-même, j'ai une information là-bas qui dit, M. Guy Philippe, il gonkaille, et Miami. Que l'ENGA a découvert 5 000 par mètre, il gonkaille pour 700 000 dollars. Nouvelle gonkaille Boston pour 1 million de dollars. Nouvelle gonkaille New York. Mais l'information m'a beaucoup plus, ça, c'est ça. C'est parce que les autorités judiciaires haïtiennes locales prononcées décision finale, c'est-à-dire les jugements de condamnation, là, ça, on a pu ordonner confiscation de biens à retour aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils changent, au fait. Pour que les États-Unis aient une information à Haïti, pour dire, mais bien que le gagné nous trouvait que c'était bien situé, dans la décision judiciaire, cette décision finale, Haïti a décidé dans la ville, nous condamné Guy Philippe à tant d'années d'emprisonnement, plus confiscation bien taillot, saisie, c'est confiscation bien taillot, qui liait aux États-Unis, liait aux Miami, liait aux Miami, liait aux Boston, liait aux New York, parce qu'on a une information dans le cadre judiciaire. Pour ce qui est de l'État, alors, professeur Blaise, ça qui est un petit pour monter l'esprit, c'est parce que si il y a un accord multilatéral, et si il y a un bien bilatéral, et c'est problème ça qui posait entre Haïti et la République dominicaine. Il y a un marché binational, mais généralement, c'est le marché dominicain qui fonctionne. Donc, en principe, effet de réciprocité que n'a pas Léon, est-ce que tout, professeur Gabi Blaise, uh-huh. pense que on, si on est américain, il est à fond bagaille, il est à Haïti, il fait des blousailles, et puis il est à venir aux États-Unis, vous pensez haïtien, Haïti, gouvernement haïtien, qui a demandé américain, ou vous voyez un américain, ça va aller Haïti. Et on très belle question posée. Et en droit international, c'est la loi du fond, on ne peut pas mettre tout le monde en guitare. Et donc, c'est ça que la Commission de l'État. La Commission de l'État, parce qu'il y a des pays où estimés par les justiciers en confiance. Par exemple, les États-Unis ont dit, écoutez, mais la côté la ravance au conseil, l'allégation pour écouter justice ou en conseil, parce que, ou quand américain dans la loi, ou pas protégé, il y a corruption, ou quand condamné, parce qu'il n'y a pas même le droit à la défense. Par exemple, pour le défendre, pour gagner les pour accès à dossier A, pour demander les pour parler de défense, pour pas mettre une prison comme ça, donc la détention pour une question. Donc, les États-Unis a avancé. Tout argument à l'avant pour dire que la justice soit confiante. Je joue à condamner parce que l'État va être parce que l'État n'a pas de l'argent, il va condamner innocemment. Donc il n'y a pas de confiance, c'est comme si l'arrêt femme plutôt comme juger plutôt. C'est ça, c'est très content que hypothèse ça pour avancer. C'est ça, les États-Unis m'ont dit, il y a un monde, il y a un bon monde, non, moment où vous pouvez le moment où il y a un cas qui dit que si Haïti a dit non, comment ça peut être possible que les États-Unis ont dit non. Attention, dit que Blanchiment là-haut, mais Blanchiment, comme ça, il fait, et il y a des l'arrêt femme tout. Donc, Guy Philippe, par exemple, Guy Philippe, il y a des dangers pour moi tout, l'arrêt femme. Donc, si vous avez des dangers pour moi, l'arrêt femme, il va agir sur la confiance, il est obligé de le faire. Il est obligé de le faire. Maintenant, l'un des juges, l'arrêt femme, il est condamné, il est tout comme condamné, l'arrêt femme. C'est ça, c'est un bon exemple. Vous connaissez que Haïti, c'est comme Malay, pendant qu'il est condamné à 7 ans d'emprisonnement aux États-Unis, Haïti, c'est qui doit dire, écoutez, États-Unis, maintenant, vous pouvez dire que les moments sont sous poison, pour faire deux ans peignant l'arrêt femme. Ça dit peine partagée, et il y a tous les dégâts qui vont là-dedans. Bien sûr, c'est parce qu'on va passer, l'argent, tout l'argent qui est blanchiment, tout bien qui est parti de blanchiment, vous allez comprendre, tout bien qui est parti de blanchiment aussi, on confisque, eh bien, ça, les États-Unis prennent l'alliance pour compte Philippe, Haïti, c'est son partage qui est la dame, Haïti, c'est la dame, il souhaite demander l'État américain si c'est 1 million de dollars ou 500 000 dollars, ou bien, selon Jean-Aquin, il fait un peu, il a 300 000 dollars. C'est même genre, par exemple, Guy Philippe est condamné en Haïti, et c'est pas pour défendre Guy Philippe, vous comprenez. Guy Philippe est condamné en Haïti, et ça, écoutez, ils ont la haute déclaration, et tout le temps, ils ont confiance. Parce qu'on se voit dans notre pays. Bon, on menace aux questions de prison qui l'a eu, en question de ISO, en question de Marlène Lamont-Sanjo qui l'a pris par la prison, qui l'a pris par la prison, qui lui fait quoi dans la caoule, il manque pas de voir le bon moment de l'écouter dans la répandue. Est-ce qu'on t'en décausé? C'est ça qui s'en est. Non, mais non, professeur Blaise, ça a lié engagé, Tété. Je me rends compte que le problème Haïti est là, et m'a regardé même en bas là, son problème d'instruction, son problème d'éducation, son problème de l'école, son problème de monde qui pas qu'on lit, son problème de monde qui qu'on lit, oui, mais qui quand même continue à dominer, à jouer sous misère peuple là. Et ça fait, vous pas créer l'école pour nous, vous pas bannir l'éducation, vous pas les petits peuples à l'école, vous pas apprendre, parce que vous pas venir comprendre la réalité. Mais droit, c'est belle bagaille. Mais droit, c'est belle bagaille, professeur. C'est belle bagaille. Droit, c'est belle bagaille. C'est parce que nous pas passé de recul pour nous analyser sexuels. Je veux dire, mon élève, c'est le conseil juridique, en pile avocat, qui a défendu tel côté. M'entendez en pile là, professeur, vous voyez 21 pile. Vous avez respect pour vous, par sagesse. Mais m'entendez en pile là, vous voyez 21 pile, oui.
Nèg moi plus ou moins correct là, son ami Wanamet. Moi monsieur font bon recul là, monsieur parler en pile bagage sérieux, son on professeur dans Wanamet, monsieur correct. Nèg en pile m'attendé là, c'est tête chargé des blouses net. Vous me prêtez, moi quand on était en tant que dit ça dans la démission, l'autre autre possibilité, merci. Vous dites que moi à détacher de tout sujet, parce que moi je crois que je suis de bonne foi. C'est parce qu'il y a lit texte. Moi va y aller référence texte là, conférence des partis des juniors à lit texte là, à lit texte 53. 7 août 2017. Allez, pour nous, que, automatiquement, nous finissons la côté, et bien écoutez, la condamnation de Philippe, les consacrés dans les lions, transposition automatique dans le droit ici. Pas de débat sur ça. Maintenant, juriste qui évoquait que qui a descendu Philippe dans son sens, vous voyez que c'est de bonne foi, vous voyez que c'est parce que vous avez texte là, et c'est des mots très compétents. Même désolé parce que moi, pas envie de dire, pas répéter parce que c'est son ancienne autorité, c'est parce que Philippe a passé. Non, pas faire ça. Parce que ça me connaît qui vont se pour la population. Ça me connaît qui vont se lui-même pour cette bonne opportunité pour venir expliquer la population. De quoi il s'agit? Est-ce que vous avez personne avec Philippe? D'ailleurs, nous disons que combat à ma paix, juste à moi-même, pour moi, faire une souffrance pour la tête, il beaucoup qui fait tout. Je me suis dit, mais pas que c'est seulement le côté négatif. Parce que de même, si je veux dire, on va comprendre. On a dit que Philippe dit, j'en suis dit, il a annoncé une révolution contre le gouvernement actuel. Je me suis dit, on a dit que le gouvernement dit, écoutez, le premier ministre Ariel a dit, bon, M. Ramé a dit, Mounien, le gros dossier de Machimola, comme d'ailleurs, c'est le gouvernement, pour me faire et. Pour faire l'été, on fait le fret. Pour me faire l'été. Eh bien, écoutez, Philippe va brandir décision américaine. Vous dites, écoutez, premier ministre, vous croyez, ouais. Vous jugez pour ça déjà. Vous jugez pour ça déjà. C'est le pire de cette affaire. C'est pas contre Philippe, en fait. Ça veut dire que, non, professeur Blaise, parce que là, nous, tout fini. Ça veut dire que, sous base à professeur Blaise, si vous avez attaqué Guy Philippe, sous même ça, ou ta, ou bien vous avez reproché lui, Guy Philippe bien élément dans le pour dire attention, chef là, ou prend lumière rouge, moi, condamné pour infraction ça déjà. Bien puisque Guy Philippe condamné pour infraction ça déjà, est-ce que ça veut dire automatiquement, Guy Philippe, c'est un nec qui perd du droit civil à politique lui? En fait, professeur. Voilà, c'est vous ça me le faut comprendre. Parce que quand il tellement tacle moi comme si moi-même pas comprendre rien et parce que me pas vrai au contraire. Si qui vient là la révolution, c'est moi le sérieux vrai. La capotarie elle m'a marché derrière regret. Mais faut nous faire point du doigt faut dire pays. Ah oui, Guy Philippe est un bon combattant, monsieur Caron soldat pour le chavirer Ariel, mais pas Kevin président parce que en dépit de tel bagarre, mais ça passe. On aller donc. Professeur Blaise, sous base ça, yo pas arrêter monsieur pour même infraction parce que il était jugé déjà, puisque il jugé le condamné, ça dit tout il perd du droit civil à politique. Non, plus ça. Perte de la civilité politique, là, c'est une sanction complémentaire. Mm-hmm. En droit, je vous dis tout à l'heure, vous posez une question, le droit pénal, il peut voir incrimination, il peut voir sanction. Nous tous les débats ensemble. Ou pas avoir sanction, ou pas avoir incrimination, vous dites, mais qui fait interdire, c'est que le comportement social ne va pas dire qu'il y a sanction qui m'a fait sur elle. C'est une maintenant, sanction est divisée en deux. Mm-hmm. Sanction, l'État a dit, écoutez, moins décidé pour moi, pour qu'on a à 10 ans d'emprisonnement, 9 ans d'emprisonnement pour blanchiment. En même temps, tout moins prévoit que, l'un qui connaît nous avec une nouvelle blanchiment, ou a tout perdu, doit civiler politique pour le temps à l'île. Son sanction complémentaire liée. Maintenant, qui ça, ou a fait un mal avec supposé? Non, ça ne fait pas vous payer, on va parler. C'est tout à l'heure, il y a un capitaine de là, oui. Ni Philippe Blanchet, la règle de l'adaptante, ça va dire, professeur. Ça, c'est, faut le connaître comme elle me bataille là. Question tellement pertinente, vous m'obligez à faire la décision. Mais ça, tu vas parler. Bon, j'en vais vous poser question et tout. L'un qui finit, ça ne va pas mentir. L'un qui finit pour retourner à Haïti, il y a des PPJ, qui s'abîme juste à tes deux. En tout cas. L'État suppose automatiquement, il prend un ministre justice et souhaite demander à travers le ministère des Affaires étrangères pour la rapide décision et on a l'équipe de la police. Mm-hmm. Mais décision ça vient de venir. Automatiquement, décision vient de venir, il y a des décisions qui sont partie de justice haïtienne. Il a demandé la justice haïtienne pour nous faire venir. Faites de la civile politique différente. C'est ça que je veux faire. Parce que faites de la civile et politique, il faut que son tribunal puisse montrer l'emploi. Et l'État a vu, il y a pour 2 ans, 4 pour 5 ans, 4 pour 6 ans maintenant, où il y a un problème qui vient de venir. Et c'est là que c'est important. Le candidat ne peut pas voter. Malgré vous êtes, mais pas de temps. Vous êtes voté, vous êtes une troisième, vous êtes une deuxième, vous êtes malgré l'argent. Et maintenant, c'est moi, j'ai tout été, qui est important, c'est que, bon, juge, je vais aller devant notre électorat, dans le monde de TVN. Mais ça m'a dit, ma vous remercier tout, ma profiter, vous remercier, et mettre avocat, oh, maître Géréchal. Le grand Géréchal, qui est patron, qui dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Puis, pourquoi aller? Il m'a connu, il dit, parce que non, ou regarde, il a posé une question, oui. Ça, j'en plaide bien, c'est mon calé en tête. Et bien, pour comprendre, composition par deux dans le jeu, c'est dit, mais l'aise, vous tellement bien, vous avez raison, mais nous allons faire un peu parce que les gens ne peuvent pas les dialer. Oui, oui. Comme député, et bien, je dis deux jeux qui étaient déjà dans la composition. Comme c'est toi, je dis deux, il va comme bien. Mais tous les deux, nous, Marc, on est ma paix, je suis tellement prédé bien, vous tellement défendre tout pour là. C'est un pays difficile. Pays difficile, qui a été au prochain, moi, j'en connais qu'on voyait au terrain balio, comme si ça, au terrain balio qui enregistre sur le site TPA. Si ça me fait mon crayon, moi, imprimé, vous faites comme ça. Yes. Parce que c'est vous-même pour travailler comme ça, pour montrer que comment on croit le petit compté, voir votre, etc. Eh bien, ça veut dire que vous avez une bateau originale pour le balayer à l'OCTP par la bonne prise pour cette balle. Donc, eh bien, je veux dire, c'est ça qui est le comportement. Quand on a des mondes dans le Parlement qui ont une capacité pour faire analyse, pour les analyser, l'heure où vous gagnez, une décision qui sortit sur le niveau international.
et bien, il y a une possibilité, vous dites, on va prendre une décision, comme je dis, pour un tribunal de prononcer, tête de la civile politique, M. Guy Philippe. C'est mon problème. Ouvrons loi 2001, ouvrons loi 2013, sous blanchiment. Ouvrons loi qui était révisée, qui était amendée par loi 2016, parce que le système n'est pas pour ce qu'il a fait la force, c'est le mais, si on est en plus des constructions de dossiers, etc., provoquer débat sur corruption. Mais écoutez, loi blanchiment, en fait, loi qui institue le blanchiment, 2001 particulièrement, n'est pas jamais compacté. On peut prononcer pour l'autre peine complémentaire qui était faite de la civile et comme ça, c'est la chef comité de l'État. Moi, je dis, comme ça, attention, pour les législateurs, on l'aime de l'État qui a fait parlementaire, il faut faire attention pour éviter de se dire que l'agent sale va rentrer dans le Parlement. Mais l'agent pile comme ça, la mère, demain, si je veux qu'on y ait aucune condamnée, eh bien, ou bien, on va condamner l'agent sale qu'on y ait. Alors, l'on va attendre, c'est l'agent qui va le financer et il faut qu'appelle le président, qu'appelle le député, qu'appelle le TNC, qui a accédé au pouvoir. Maintenant, pour nous éviter ça, loi 2001, qui était amendée par loi 2013 là et jusqu'à loi 2013 là, qui n'a pas de chef d'État. Nous souhaitons que, maintenant, nous voulons pas le pour les sapeurs, ni à modèle, pour l'ajouter en l'open, qui est peine complémentaire là. Pour dire, mais qui ça vous prévoit, si on est condamné pour blanchiment, mais qui ça vous prévoit pour gagner comme tête de droit civil et politique. Je veux dire, pour répondre à la question là, est-ce que M. Guy Philippe est de droit civil et politique? Non, il va pas dire automatiquement. Vous qui savez, parce qu'il n'y a pas de tribunal qui peut l'enfiler. Mais, c'est bien qui est important. Ça va nous dire, M. Guy Philippe, qu'il n'y a pas de candidat. Comment? Il n'y a pas de candidat parce que, qui sa texte constitutionnel a dit? Article 16. Article 16 a dit, tout candidat, pour pas être condamné. Il ne faut pas jamais condamner, il ne faut pas jamais condamner. À une peine affective et infamante, et il dit qu'il ne faut pas faire du droit civil pour bénéficier du droit civil et politique. Mais non, on va dire qu'il parle devant TUPA. Il dit écoutez, mon cas candidat, quand je ne veux pas faire du droit civil et politique, eh bien, et tu ne l'as pas dit, mais non, on n'a pas tout le droit civil et politique, mais on te condamne déjà. C'est elle qui ne dit pas du tout, il dit ouais. C'est elle dit tous les candidats, c'est elle qui ne dit pas du tout. Bah, vous mélangez, vous voyez, oui. Ah, ouais, ouais, droit ça, son gros bagage droit, oui. Ah, mais bon, regarde, t'as le professeur. Alors, là, nous arrivons, professeur, mais bah, où t'as le map fallu? Belle, m'a demandé au responsable, bon, 10 minutes encore. C'est professeur. Mais bah, il faut que paye, il y a quand même, ce dossier, ça encore facile, faut en profiter. Bon, ouais, on te regarde. Moi-même, sincèrement, et c'est dernière intervention de ce débat, parce que je pense que tout pays attendait. Et c'était donc, je pense que l'autre radio, en toi, non, c'est un public, on a l'air de te dire. Et avec un peu de poulon, avec un peu de poulon, si mon cas de m'interview, je pense que l'émission de l'émission de l'émission, ma mission, oui, tout le sujet encore. Ok, pas un problème. Respect pour nous, merci en pilou pour respect. Merci, merci, mettre là. Article 96, n'est-ce pas, il y a pas pris trois points là-dedans. Il dit, premièrement, il dit être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Deuxièmement, il dit qu'être âgé de 30 ans accompli. Et troisième point qui est très important, il dit que jouir de ses droits civils et politiques. Et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun. Ça veut dire que, guéons, cumul de conditions. Il a dit, ouf, il dit, hé. Monsieur Guy Philippe a dit, il a dit, écoutez, moi, je jouis de la civile politique. Vous savez, quel condamné à une peine de la civile politique? Le tribunal a dit, oui, d'accord. Le tribunal, Marlène Hélicole a dit, oui, d'accord. Mais c'est qu'il a dit, hé. Il était condamné aux États-Unis. Condamné national, il applicable dans le droit haïtien. Donc, du coup, c'est dit où? Là, dit où? C'est une ou l'autre? Une ou l'autre? Mais elle dit, ouais. Ça dit, c'est d'ensemble, tout le bail mélangé. Bah, c'est deux conditions cumulatives. Donc, je dis, hein, c'est dit où? Il ne pas dit chanter, il ne pas dit. Je dis, en moins qu'un candidat, parce que nous sommes condamnés, mais toujours, je dis, il est politiquement. Mais à ce jour, je suis désolé, parce que pas aucun problème avec M. Philippe, comme il en pile. Parce que il y a des initiatives peut-être courageuses, que ma apologie de action de l'initiative, mais. Et quel que soit quand on est à l'opposé, mais il y a une initiative courageuse. Peut-être que ce n'est pas normal, c'est difficile. Moi, je respecte ça. Un citoyen tout qui est élu, peu dans les conditions dans lesquelles il a été élu, mais il était élu quand même comme sénateur de la République, que je dois le respecter. Donc, moi, je respecte M. Guy Philippe. Mais à ce jour, au regard de la loi, M. Guy Philippe ne peut pas être candidat, il n'est pas candidat à aucun poste politique en Haïti. Et là, pas même sur un poste politique, il y a des fonctions qu'il n'a pas occupées dans l'État. Oui, c'est vrai. Donc, et moi, je regrette que pour moi, tenu pour ça, contrairement à avec aîné et de juriste qui a affirmé, très compétent, qui peut-être qu'il y a une jeunesse là, parce que l'on dit la compétence, je m'entendais, c'est-à-dire si je m'entendais, ça le dit, ça le dit que on connaît par sagesse, c'est normal, etc. Mais je m'entendais, parce que là, je m'entendais, il faut m'apprendre, pour m'abouiller cervelle, moi, maintenant, je ne viens pas au compétent, parce que cervelle m'abouiller, c'est que je ne comprends pas, parce que là, je m'entendais, il faut m'apprendre, on comprend ça, m'entendais, et là, il y a abouiller cervelle, il y a tout tel bagaille, il y a deux constitutions, alors que y a un traité, il y a une convention, il y a un accord qui signe, il y a deux non-bagnes accords, lorsque là, il va faire recherche sur ça, comment font émission pour m'apprendre, là, je viens de la chambre midi. On passe au moins 3 heures, oui. Mais on commence au travail à 4 heures. On a une émission à 6 heures. Dès que je travaille, je commence à préparer l'émission, oui. Pour me dire qu'on est. Parce que l'émission, au moins, il faut me faire 3 heures de préparation pour me dire que ça veut dire que c'est un pays difficile. Professeur Blaise, franchement, posez-vous en pile. Je pense que en pile, mon capitaine de la rue édifié. Donc, au clair sur ça, au regard de la Constitution, et vous évoquez plusieurs bagailles qui sont extrêmement importantes que nous ne connaissons pas, on dit que oui, dit qu'il n'y a pas l'inscrit, il évoquait, il n'y a pas du droit civil et politique, parce que pas de tribunal en Haïti qui prononçait sous ça. Cependant, d'après ça, la Constitution a dit, puisque monsieur était condamné, eh ben, monsieur n'est pas capable, ou bien pas éligible
pour le briguer un poste électif et même une série de gros postes de responsabilité dans le pays. Effectivement, effectivement, parce que il y a la transposition automatique de la décision pénale américaine, donc décision automatiquement reconnaître la reconnaissance mutuelle des décisions, la l'intégration des décisions pénales, donc définie et au gabarit droit haïtien de reconnaître comme moins condamné à en peine à quelque chose d'infamance. Donc du coup, texte indiqué, article 13 ans, alignant à l'indiqué, il va dire où, donc c'est, et bon, à l'ouvrage au retard, mais je suis désolé, et monsieur Philippe, PACA, en tout cas, il n'est pas éligible à un poste électif, et même il n'est pas éligible à une série de postes et de postes, fonctions dans un poste de fonction publique. Et là, ce n'est pas moi qui ai inventé, je veux dire, mon conseiller juridique, plus Ali, conférence des partis des Nations Unies, 7 août 2017, article 53 surtout, qui est noir sur blanc, clair, de façon très claire, pour nous, les médias, nous, qui comptent de l'OPOP, qui dit, qui consacre aux conditions structurelles des décisions de mon équipe de l'État, qui fait partie de la convention, convention par l'aime de Milan. Bon, et pas de débat sur ça, et si nous pas de doute, si lui, je n'ai pas de doute que la décision pénale américaine, la relation pénale américaine n'est pas limitée seulement avec les situations américaines, non, ce n'est pas limité à une sorte d'extension de la décision pénale. Donc, effectivement, que, pour conclure, Guy Philippe, il a évoqué les juifs de la civile politique, c'est normal, parce que la justice américaine n'a pas dit Guy Philippe, il a une importance pour nous préciser. La justice américaine n'a pas dit Guy Philippe, il a dit de la civile politique, parce qu'il a dit la société américaine, c'est soit haïtien, donc il a dit qu'il a dit de la civile politique. Ça n'a pas intéressé, parce qu'on ne peut pas dire qu'il a dit parce qu'il n'est pas américain. Maintenant, il me condamne seulement avec mon peine d'emprisonnement, pour en faire là, il faut connaître, c'est une justice qu'on connaît, pour la partie des décisions, ça, l'être de la partie des décisions, c'est un tribunal prononcé, et peine complémentaire, ça, qui fait, on peut dire de la civile politique. Donc à ce jour, il est regrettable, il est vraiment regrettable d'affirmer que M. Guy Philippe n'est pas éligible à des postes politiques en Haïti. Pour l'instant, à moins que les gars aient amendé la constitution, mais ça n'est pas possible. Mais ça prend temps. Professeur Blaise. Et là, tu as amendé la constitution, il faut que tu aies retourné sur décision sur rétroactivité. Parce que, pas bien que Guy Philippe l'ait condamné avant et révision constitutionnelle, ou bien ou de constitution, c'est vrai que la constitution est députée. Et toute décision pour avoir une question de condamné à peine à quitter l'infamant, que si tu condamné déjà, il n'y a pas fait sous révision constitutionnelle, ok. Mais tu n'as pas précisé la tour, donc je ne suis pas candidat pour constitution que je peux voir, il député tout le monde qui condamné déjà, ou pas de problème. Donc même les ou même elle dit où il faut qu'il précise que mon petit condamné déjà, parce qu'il consacrait déjà que le député n'est pas éligible. Donc maintenant, il faut faire un constitutionnel, par contre, il va la députée, il estime que c'est un des mondes qui paye sur l'international, qui paye sur l'international, qui défend par le pays. Si tu es condamné, quand il est dans le passé, tu es condamné dans le pays étranger, peu importe où tu es condamné, je veux dire, nous avons chance, et nous sommes éligibles, nous avons occupé des fonctions administratives dans le pays, donc nous avons travaillé pour les gens l'avion famille. Donc oui, il n'y a pas de problème, on est constitutionnel. Et à ce jour, M. Philippe n'est pas éligible. Maintenant, bataille à qui t'as donné, si nous pas son petit penché sur politique, c'est ça, on bataille combien pour. Parti politique et M. Philippe Blanc pour le gagner, majorité dans le Parlement, et puis pour la procureur constitutionnelle. C'est seulement ça. Consultation gratuite, oui, là. Eh ben, merci, professeur Blaise. Chapeau pour vous, frère, mon cher. Félicitations encore une fois. D'ailleurs, je connais ça déjà. Et je pense que nous besoin, eh ben, ça y est. C'est vrai que vous ne parlez pas souvent, mais merci pour le respect à quand même qu'on gagne pour le travail, moi, tout, parce que c'est difficile pour m'inviter. Je suis bien content qu'on y en Amérique, là. Parce que là, ça tape bien tranquille, elle tape bien, elle tape 3 heures du matin en France. Et qu'on laisse le ça, on va parler avec quand même les vols endormis, parce qu'on gagne plus le respect pour le travail, moi-même, j'aime plus le respect pour le travail. Merci, professeur Blaise, bon travail. Je pense que pile monde qui tendait de comprendre, pays a franchement édifié. Sauf monde qui pas jamais voulu apprendre. Merci, professeur, bon travail. Et moi-même, je vous remercie pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Et désolé, nous prenons un petit temps, mais il faut nous rappeler que pendant que nous avons parlé là, il y a un juge de paix comme une cafouille. Pas un problème. Un pays difficile. Oui, pas un problème, non. Pendant que nous avons parlé là, il y a un juge de paix dans la commune Cafou. Oui, Cafou. Dans la ville Judédois là. Dans Ville-Beauville là. Pendant ma parler là, monsieur c'est un juge de paix en bas, monsieur il est Jean-François Ducasse. Jean-François Ducasse, juge de paix Cafou. Eh ben il a kidnappé monsieur Amatissa après-midi. Ouais, il a kidnappé monsieur. Donc et ça qui doit là d'après sa famille, bon, d'après ça vous t'arrêtez en signaler là, notamment de n'importe combien 2 millions de dollars pour libérer monsieur. Et juge de paix Cafou, pendant ma parler là dans mes kidnappés Amatissa, ça veut dire que tendez bien et ça me tape d'où et en tant qu'il fait entre les Chris là, les grands ravines là. Eh bien, ça me d'abdou, les nègres d'abdou, je ne fais pas de kidnapping, je ne fais pas ceci. Les gars font entente. Entente, ça y a une facilité kidnapping fait de tous côtés. Et d'ailleurs, comment pour les matins, on va faire kidnapper les gars fous. Comme qu'on y a un cafou avec un petit jean mélangé. Eh bien, nous pas connaît. Parce que l'homme d'abdou, non, c'est bandit. Moi, ça, je vous propose que c'est moi de parler, ouais. Eh bien, pas connaît. Mais, qui ça? Juge la guénamel, monsieur. Ah oui, on l'a un kidnappé, on juge du casse dans cafou là. On a demandé 2 millions de dollars. Nous pensons que, si je veux dire, moi, mais nous pensons que t'as vu passer dans Babdou à la matisse, ça vous nous prend. Ah, monsieur. C'est-à-dire, on va comprendre, et ça m'a dit, on va comprendre forme bagaille n'a fait. Bon, peut-être que nous avons l'abri de la juge là, on va connaître, c'est tellement dans toute sauce. Il y a dans tout dossier, dans toute sauce. Merci pour l'argent. Côté famille juge du casque, pour ajouter 2 millions de dollars pour le bano. Nous kidnappons le docteur Bertoni François, un médecin qui a nous conseil pour santé nous.
qu'on y a passé le bail plus médical, puis comment bail arrivé et bail fatal, pas qu'on songe qui est comment arrivé, comment arrivé encore, qu'on y a l'air on prend lui là, bon ça l'est globalement des millions, qu'on est l'argent de l'argent ça, j'en paye d'Haïti là, on est qui est quoi là-dedans, une de ses responsables complexe médical Elohim, oui Elohim, et il a kidnappé docteur Bertoni François après midi là, qu'on y a globalement des millions, nous touillons docteur Mackenzie Guerrier pendant qu'il a kidnappé la faire résistance au vide bal tourner, nous gaspillons le jeune garçon, mais nous faisons docteur Auguste courir la ligne cachée Florida. Bon, mais pour nous, nous prenons un ami ça dans le complexe Elohim, non, Bertoni François. Bon, mais nous prenons juste Ducasse là, qui a passé là, nous prenons la route là. Eh bien, comment nous avons fait pays là? Eh bien, monsieur, regarde, on t'y malheur, nous dit nous là en bas, et nous, mais t'y malheur, ça nous prend avec Johnson, de t'y malheur, nous là, fait la vente sous bourre, puis nous kidnappons. On s'en a fait pays là, monsieur. Un problème, mais ça te fait. Si Guy Philippe veut faire une révolution, vous comprenez? Et nous, nous, vérité, Guy. Même soit font révolution ou Chavira Ariel là et puis pour dire que vous balade même fanatique va tourner sur ça demain fanatique la fin bagarre soit font révolution là tout bon ou le Chavira Ariel donc préparer équipe pour parce que même qu'on pas capable président ou pas candidat ou pas capable pour l'instant vous comprenez ça donc préparer équipe pour et puis faire révolution hein Chavira grand monde qui l'a pas utilisé hier rien et puis prendre responsabilité malheureux là bonsoir tout le monde même en pile nous vous merci parce que vous abonnez avec Créole promo sans prendre souffle et nous vous merci tout parce que vous suivez channel là on sous pile plateforme là pile plateforme là plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté plateforme qui là pour vos bagages yo Jean yo ya toujours abonné toujours partager toujours commenter et n'attend pour demander qui sont besoin qui sont à rien et qui sont plutôt que le promo sans souffle ciao.